I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? Sweet baby Jesus in the office. Salut, salut, salut! J'espère que ça va bien. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, dernière émission de l'année 2022. Je suis avec mon co-animateur Benoît Laferrère et Kéine Stradamène. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Et moi, je suis avec Jonathan Drapeau et qui... Votre show Josh Ryan. Oh, oui, yes, sir, yes, sir. Hey, Ben, ça fait... ça va faire presque 2 ans que notre projet... au mois de mars, hein, qui va faire notre deuxième année qu'on a starté ça. Puis honnêtement, moi, je me souviens de la première émission qu'on a faite. Puis quand je disais on va développer des belles choses, ben crime, je pense que c'est... On a tenu notre promesse. Oui, et objectif accompli, honnêtement. Puis si on peut parler un petit peu de la rétrospective, en fait, de notre année 2022, Benoît, on a... grâce à toi, mon recherchiste d'amour. On a travaillé beaucoup très fort là-dessus. Et puis, on a eu des très belles entrevues cette année. Chers auditeurs, de si jamais calibre, vous n'avez pas vu nos émissions, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Une de nos préférées la préférée de nous deux. Hein. Honnêtement, Randy Couture, a été quelque chose d'incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller sur notre page YouTube pour la visionner. Honnêtement, ça a été génial. Le gars était super généreux de son temps. On a pu parler un petit peu de la pluie et du beau temps avec lui. C'est pour ça qu'au début de l'entrevue, là, on a commencé ça bang parce que le gars nous a tellement mis à l'aise. Toujours sourire, on super pas faire gentil. Puis... on a parlé, tu sais, nous, chers auditeurs, on est de Lévis, du côté de Québec, sur la Rive-Sud. Et puis, lui, vu que son nom de famille, c'est Couture, ben, on s'est mis à parler un peu de ses ancêtres, puis tout ça, puis on disait qu'à Lévis, il y avait un... Boulevard Guillaume Couture, ouais, comme il a dit. Oui, c'est ça. Exact, exact. Fait que ça nous a tellement mis à l'aise, puis on a parlé de plein de choses super généreux, puis il s'en allait tourner les Sacrifices 4 On était chanceux de le pogner cette date-là, fin octobre, genre. Parce que le lendemain, il partait pour Sofia, en Bulgarie, pour le restant du tournage des Sacrifiés 4, Expendables pour les anglophones. Yes. Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et j'en passe. Yes, et puis ensuite de ça, ben, on a eu aussi des très, très belles entrevues. Là, je pense à... Monsieur Raymond Rougeau. Qui maire de Rawdon, yes. Qui était très généreux de son temps. On a eu aussi la belle Layla, boxeuse professionnelle pour Interbox. Qui a gagné son dernier combat. Elle est à 8-0 maintenant. Oui, yes. Ensuite de ça, on a eu aussi... Les Killer Bees, qui était vraiment super sympathique. Duke de Dobster Drozy, qui était vraiment super gentil. Ahmed Johnson, Al Snow, qui était vraiment super sympathique avec nous. On a eu... Jacques Rougeau. On a eu Stevie Ray, Sabu. Pierre-Carl Ouellet, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire le 30 décembre dernier. Yes, bonne fête, monsieur Pierre-Carl. Et puis, merci encore pour l'entrevue que tu nous as accordée. Exact. Et en parlant, dans le fond, des Québécois, Benoît, aujourd'hui, on a décidé de faire un cadeau à nos auditeurs. De fin et de début d'année. Oui, exactement. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez avec une certaine impatience. On se fait écrire quand est-ce que vous allez diffuser, quand est-ce que vous allez diffuser. Ben c'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Yes. Et puis, go ahead, my friend. Dans le fond, on va garder l'anonymat de la personne, dans le fond. Oui, on peut pas vraiment... L'émission, c'est une émission spéciale qui est concernant l'accident qui s'est passé, la terrible accident de voiture qui a impliqué les défunts Tarzan, la bottine Tyler. Adrien Desbois et Mad Dog Lafond. Oui, c'est ça. Et puis. Ça s'est passé dans le parc de Laurentides le 24 décembre 1985. Ça fait d'ailleurs 37 ans, la perte de ces trois
C'est trois gros noms de la lutte au Québec de l'époque. C'est ça, exactement. Et puis, ben, on a eu un fidèle auditeur qui nous a contactés, qui voulait garder l'anonymat de tout ça. C'est normal. Et puis, ben, c'est un monsieur qu'on salue d'ailleurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher auditeur. En fait, de nous avoir prêté les artefacts de M. Tarzan Taylor et M. Michel Lefebvre. Donc, vous pouvez voir ici une gracieuseté de monsieur. En fait, sur le coup, j'ai quasiment la mannequin, dans The Price is Right. Oui, et puis... Dans les articles. Exactement, c'est ça. Combien ça peut valoir, je ne sais pas. Mais non, blague à part, sur le coup, j'étais comme un peu... C'est pas le cas du frère André. J'étais pas certain, dans le fond, si c'était vraiment la vraie botte de Tarzan Taylor, etc. Puis, si on regarde vraiment sur des photos puis tout ça, on peut vraiment voir de près que la bottine, elle a été peinturée, elle est rose, c'est ça que tu nous dis? Oui, il y a une petite anecdote qu'on va parler plus tard. Dans puis, à l'intérieur, on voit clairement là, elle a servi pour donner des coups. Là, je ne sais pas si on voit, là, mais... c'est ça. Exact, on s'excuse un peu, là, mais... Ouais, peut-être plus comme ça. Ouais, c'est ça, mais bref. Ben, c'est ça, c'est la vraie botte, en fait, de Tarzan Taylor qui a été retrouvée. Donc, c'est vraiment cool qu'on ait pu vous présenter ça en exclusivité. Et puis, on a aussi une autre relique, mon ami. Donc, tu peux nous montrer ça à l'instant? Ça, c'est une corde à danser qui appartenait fort probablement à Mad Dog Lefebvre. Ou peut-être Adrien Desbois aussi. Ouais, ben, j'imagine que ça doit être plus à Mad Dog Lefebvre, parce qu'Adrien Desbois ne veut pas faire d'accord de danseur dans un combat. Puis c'est pas juste ça. Mad Dog Lefebvre, c'est un grand chum à Raymond Rougeau. Puis Raymond Rougeau, il a comme un entraînement de boxeur. Ouais, les boxeurs, c'est pour le cardio. Là, exact. Donc, ben, on est très, très, très choyé de pouvoir vous les présenter en exclusivité. Ça, Joe, là, tu mets du cuir autour de ça. Là. C'est quasiment le fouet de Michel Pfeiffer de Batman Returns. Yes! Et puis, dans le fond, on voulait vous parler un petit peu, le sujet dont il va être question aujourd'hui, comme on disait, c'était l'accident fatal du 24 décembre 1985 dans le parc des Laurentiers. Aujourd'hui, ça se nomme réserve faunique. Ouais, comme ça. La WWF se nomme aujourd'hui WWE. Exactement. Et puis, ça impliquait les lutteurs, comme j'ai dit, Tarzan de la Bodine Tyler, Pierre Mad Dog Lefebvre et l'arbitre Adrien Desbois. Exactement. Et puis, tout d'abord, dans le fond, tu voudrais parler un petit peu de Camille Tourville. Hein, ouais, ben, c'est ça, les victimes de l'accident. Exact. Oui, c'est ça. On va parler de la première qu'on a présenté la bottine, bien sûr. C'est M. Camille Tourville qui dit Tarzan Taylor. Il est né le 4 décembre 1927 à Montréal, Québec, Canada. Là, j'annonce Dino Bravo quasiment. Après une carrière canadienne de près de 10 ans, dans les années 50, sous le nom de Tarzan Tourville, il débute chez nos voisins du Sud, les États-Unis, dans les années 60. Puis c'est ça, c'est là qu'il prend le nom de Tarzan Taylor, parce que le public anglophone, il avait de la misère à prononcer Tourville, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tourville, ouais. Torrey Wilson. d'ailleurs, je vais faire une... Mais en fait, je vais en parler un petit peu plus tard. En fait, on va avoir, pour la prochaine année, là, des personnes intéressantes qu'on va pouvoir interviewer, mais on va en parler plus tard. On va continuer sur la lignée de M. Taylor. Donc, il a fait, dans le fond, c'est en effet aux États-Unis qu'il connaît de nombreuses rivalités avec les champions du monde qui dominent le circuit, tels que M. Vern Gagné, Lou Thesz, Dory Funk Jr., Bruno Sammartino, mais sans succès. C'est ça, il n'a jamais été champion du monde. Exact. Mais il a fait carrière en équipe, notamment avec le grand Luke Graham. Yes. C'est alors que le 3 juin 1971, dans un house show à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, bien entendu. Yes. Lui et Graham, ils ont battu Dick the Bruiser et The Sheik lors d'une finale de tournoi pour déterminer les tout premiers champions WWF, qui est l'ancêtre de la WWE, comme on n'arrête pas de mentionner dans nos nostalgies. Yes. Le 12 novembre 1971, ils ont également remporté le WWF International Tag Team Championship face à The Mongols. Yes. On donne un peu. Yes. Beepo and Tito à Pittsburgh, Pennsylvania. Yes, puis mis à part ses succès dans l'ancêtre de la WWE, ben, il a fait carrière dans diverses fédérations telles la AWA, IWA, Stampede Wrestling. Les territoires NWA, ouais, c'est ça. C'est un tour des étoiles. Exactement. Vous voyez,
dans le fond, on parlait tantôt de la couleur rose là, de la botte. Là, je l'explique. Oui, oui, vas-y, mon ami. Ben, dans le fond, vous voyez que c'est ça exactement. La couleur rose qui sort du jaune que vous voyez là. Oui. Ça, là, c'est parce qu'au départ, là, il faisait équipe avec Tito Sanza avec des bottes roses. Un tag team. Ouais. Je sais pas exactement le titre. Ouais, vous le direz dans les commentaires. Je ne me souviens pas par cœur du titre, personnellement. Veuillez me pardonner. Puis c'est ça, quand il a viré manager, il a tout simplement peinturé la botte en jaune. Il doit avoir fait ça au airbrush. Oui, oui. Ouais. C'est pour ça qu'on voit vraiment que c'est une botte qui est usée. Oh, et oui. Puis on voit clairement là, que. Oui, ça a été fait à la canette de Sprite parce qu'à l'intérieur, on voit clairement. Mais ça dit quoi, c'est un 113 jours qu'il a fait ouais, ça. Oui, oui, c'est ça. Ça a quasiment 50 ans, ce botte-là. Exact, exact. Plus que ça. Puis, ben, dans le fond, son surnom venait du fait qu'il semblait curieusement apte à terrasser son adversaire en le frappant avec le pied. Un seul pied, toujours le même. Fait que dans le fond, c'est là que ça l'a poussé les amateurs de lutte à penser qu'il y avait quelque chose de caché dans la bottine. T'sais. Fait que quand il montait dans le ring, le public criait toujours, et je cite, « Il y a quelque chose dans ta botte, il y a quelque chose dans ta botte. » Fait que là, c'est de là que, tu sais, c'est venu Tarzan Tyler. Puis pour les professionnels, dans le fond, qui connaissent bien les bottes de lutte, là, voilà, vous pouvez vraiment genre constater, là, la smell, là, c'est pas une smell genre conventionnelle. Là. Et, excusez-moi l'expression, elle est dure en tabarnak. Ouais, OK. Et, on dirait du bois, là, tu sais. Fait que c'était particulier. J'ai quasiment envie de te poser une question comique. Oui, vas-y, mon ami. Question ridicule, mais je m'instruis, puis vous le direz dans les commentaires. Ouais. La bottine souriante, c'est-tu inspiré de Tarzan la bottine Tyler? Je sais pas. Honnêtement, mais... c'est drôle puis c'est pas drôle. Là. Non. Mais bref. On a dû s'inspirer pareil un peu, veux pas. Ben, j'imagine. Hein. Pour faire 50 ans, ça existe. Ben non, puis en plus, ben, c'est une belle. Parenthèse. Une belle parenthèse. Et puis, on parlait juste après, dans le fond, du défunt Pierre Lefebvre, ouais. Qui est né le 24 février 1955 à Charlemagne, comme c'est Céline! Oui, la chanteuse internationale. Ben dans le fond, M. Lefebvre a commencé à lutter à 17 ans, en 72. Je crois que c'était la même année que Raymond. Ouais. Raymond, 71, qu'il avait dit. Oui, c'est ça. Et puis en 73, il prend une pause de 2 ans, puis devient soudeur. Il fait un retour en 75, puis en 76, son meilleur ami, dans le fond, qu'on disait, qui était Raymond Rougeau. Bonjour, M. Rougeau. Il était à Atlanta pour le promoteur Jim Barrett. Barnett, excuse-moi. Puis dans le fond, Lefebvre a fait sa carrière à Atlanta pour la GCW et non la Game Changer Wrestling, mais bien la Georgia Championship Wrestling. Et puis jusqu'à la fin des années 70. Et puis en 1979, il lutte pour la filiale de la Pacific Northwest National Wrestling Alliance. Okay. Et puis, en 1980, dans le fond, il a fait un retour à Montréal. Yes. Pour lutte internationale de Varoussac. Ben, c'est sûr, parce que Varoussac a viré lutte internationale. Ouais. Quand Bravo Martel il avait acheté ça. Ouais, il avait des ports. Oui, c'est ça, exact. OK, il a connu du succès en remportant le titre international des poids lourds. Il a remporté 7 fois les titres par équipe Tag Team International canadienne avec des partenaires comme Michel Dubois, Pat Patterson, Billy Robinson, French Martin. Il a eu de belles feuds avec les Rougeau, Gino Brito, Tony Parisi et Dino Bravo, bien sûr. Yes. Il a par la suite lutté au Japon et a lutté à la WWF, principalement dans des house shows à Montréal. Mais là, de la manière que je dis ça, ça laisse croire que ce gars-là, c'est un gros heel. Quand tu lutais avec Bravo et avec les Rougeau, c'est les top face de l'époque. C'est certain. Puis dans le fond, quand on interview souvent des anciens lutteurs, ils nous parlent souvent des loisirs Saint-Jean-Baptiste. On parlait de PCO tantôt. PCO vient de là aussi, des loisirs Saint-Jean-Baptiste. Oui, Pat Girard, c'était l'entraîneur. C'est ça. Et puis... Adrien Desbois fut l'un des plus grands arbitres de l'époque dans Varoussac, parce qu'on parlait de Varoussac, là on parle la troisième victime, de Saint-Jean-Baptiste. Et puis, l'un de ses bons moments, ben, c'est ça, dans le fond, c'est quand il a renversé la décision dans le combat King Tonga, puis Dino Bravo, qui était au Forum de Montréal, si je ne m'abuse, en 1984, lorsqu'il a disqualifié ce dernier. Nous ne connaissons pas sa date de naissance, malheureusement, mais si jamais vous le savez, écrivez-nous-le en commentaire. J'ai lu quelque part qu'il avait 35 ans quand il est mort. Okay. Il était un peu considéré un peu comme le Earl Ebner de l'État international. Il arbitrait pas mal les matchs, les main events. Exact. Et puis, juste avant de parler un peu en fait, on va en parler. On va carrément rentrer dans le sujet. Ouais. L'événement tragique, dans le fond,
Dans la nuit du 24 décembre 1985, les trois amis retournaient à Montréal. Dans la voiture, il y avait, comme je disais, il y avait Desbois, Lefebvre et Tarzan Tyler. Exact. Après le gala de lutte qui se donnait, dans le fond, au centre Georges Vézina de Chicoutimi, ben, les conditions météorologiques étaient vraiment pas belles. C'était pas favorable pour prendre la route. Puis on s'entend que le parc de Laurentides, c'est vraiment une place très dangereuse au Québec pour circuler, surtout l'hiver. Ça a changé, par exemple. Dans le temps, tu peux quasiment tout le temps faire des face-à-face. C'était pas vraiment éclairé. C'était vraiment dangereux. Et puis, ben, Pierre Lefebvre, qui chauffait la voiture, c'était une Escort Lynx à l'époque, avec Tyler assis en avant, puis Desbois était assis en arrière. Ils ont perdu le contrôle de la voiture, puis se sont fait frapper par un camion citerne. Les trois amis ont pris le fossé et personne n'a survécu à l'accident. Donc, ça a été une mort instantanée, malheureusement. Tu sais, on se posait souvent la question, moi puis toi, quand on a tellement feuilleté des affaires, puis on va poser ça aux auditeurs, aux Wrestle Rockstar et tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Yes. Avez-vous déjà songé à ce que serait la lutte professionnelle si ces trois gars-là étaient restés vivants lors de cette tragédie? Tu sais, admettons là, que c'est ça, ils seraient peut-être au Hall of Fame de WWE. Ah ben, j'imagine. Surtout si l'autre a été le premier champion de tag team. Exact. Puis tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Puis une autre question aussi qu'on pourrait poser aux fans. Vas-y. Saviez-vous aussi que la voiture qui était juste derrière eux contenait Raymond Rougeau, Jacques Rougeau, Dino Bravo et puis Gino Brito? Auriez-vous pensé, qu'est-ce que la lutte aurait été si ces quatre personnes-là importantes du Québec aurait été impliqué aussi dans cette malchance. Parce que ces gars-là sont irremplaçables. Exactement, exactement. D'une certaine manière, tu sais, Raymond Rougeau, qui était un grand annonceur, là, et qui a été quasiment. Il a fait beaucoup de petites jobines pour Vince McMahon. Avec notre ami Jean Brassard. Et puis. Donc, Rougeau n'aurait jamais battu Hogan s'il avait été mort. Effectivement. Quel Québécois, quel Canadien aurait battu Hogan? Personne. Et puis, ben, tu sais, certaines hypothèses peuvent être facteurs de cette stratégie, de cette tragédie. Excusez-moi. Malheureux accident. Ben, tu sais, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est les conditions routières? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Peut-être. Seul le Dieu le sait et le diable sans doute, comme je dis souvent. Ils n'ont pas fait de rapport d'autopsie. Mais en 85, c'est vrai que c'était pas comme l'ADN, c'était pas comme aujourd'hui. Autant évolué qu'aujourd'hui, tu sais. C'est vrai. Alors, ben, je pense qu'on a fait quand même un bon tour de table. On peut les en montrer une petite dernière fois. Ben oui. La fameuse corde à danser. Yes. Excusez s'il y a un autre test. Parce que... Yes. On est vraiment content, honnêtement, de pouvoir avoir eu ce prêt-là de cette quelques heures. Personne. Oui, oui, vraiment. C'est vraiment. On ne remerciera jamais assez cette merveilleuse personne. Merci, monsieur. Monsieur X. Monsieur X, c'est ça, Mr. X. Et puis, voilà. Et puis, ben, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. Honnêtement, surtout que là, on est le 31 décembre, on va se dépêcher à vous mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Et puis, ben, du fond du cœur, Ben, vu que tu es là, ben, je te souhaite une bonne année aussi, man. De Sir 2023 qui approche dans quelques heures. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est déjà fait. Yes. Et puis, all the best, fuck the rest. Je pense que ça sera notre devise. Puis en plus de ça, pour la prochaine année, on peut-tu annoncer en exclusivité qu'on va avoir une personne particulière? Veux-tu le dire? Une personne particulière, tu parles de Harvey Whippleman? Yes. Ah ben oui, c'est ça, exactement. Harvey Whippleman va faire partie des éventuels invités, si ce n'est pas le premier invité de 2023. Yes, exactement. Et puis, ben, on va travailler fort aussi pour avoir, on ne vous nommerait pas le nom de la personne, mais c'est un ancien de la WWF, c'est un ancien World Heavyweight. On espère honnêtement de l'avoir avec nous pour quelques minutes. On travaille extrêmement fort. On espère pouvoir l'avoir en 2023. On a 12 mois pour réussir à travailler ces dossiers-là. Donc, on espère que ça puisse fonctionner. Notre affaire, ça, on le répète assez souvent dans les podcasts, dans les textes qu'on écrit. Le Wrestle Rock Podcast, ce n'est pas seulement de la lutte et de la musique. Ça peut être toutes sortes de sports. Fait que ça peut être aussi du show business. Fait que attendez-vous d'avoir
certaines vedettes du show business au courant de l'année 2023. Exactement, là, comme on parlait, on a eu Randy Couture, mais qui dit pas qu'on n'aurait pas des personnes d'arts martiaux, des acteurs de films. Ouais, on travaille extrêmement fort, on se souvient là, de M. Kissy qu'on n'a pas malheureusement pu avoir. Problème technique. Problème technique et... problème d'horaire aussi. Yes, exactement. C'était Tang Po dans Kickboxer. Mais on vous a pas oublié, on travaille extrêmement fort là-dessus. On a eu pas loin d'une vingtaine d'invités cette année. Très choyé, honnêtement, d'avoir pu avoir ce. Il y a M. Dory Funk Jr. aussi que ça n'a pas donné qu'on aille. On s'excuse, on n'a pas parlé et qu'est-ce qu'il advenait. Yes. Parce que le monsieur, il est malade, c'est ça, je pense. Ben, le monsieur, il vieillit comme tout le monde. Il y a eu beaucoup de brasses camarades au Texas, entre autres. Il y a eu la tempête. Ouais. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a été impliqué aussi du côté de la NXT. Sachez qu'on vous l'avait annoncé quand on vous annonce quasiment une promesse qu'on fait. Exact, sachez qu'on travaille extrêmement fort pour vous. Comme on vous a dit, le contenu est gratuit. Il va toujours rester gratuit. Comparativement à tout ce qui se fait au Québec, mais nous, on va s'organiser toujours pour donner, vous faire plaisir. C'est ça notre devise. Et puis, ben voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce beau moment exclusif que vous verrez probablement pas ailleurs, surtout avec ces beaux artefacts-là que Benoît, tu pourrais nous remontrer juste avant de finir l'émission. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je vous remercie beaucoup. Honnêtement, passez un beau temps des fêtes. Et puis, une belle année 2023 remplie d'amour, de succès, de santé, de richesse. On vous embrasse et on vous attend au mois de janvier pour une émission spéciale avec notre collègue Harvey Whippleman, ce qui risque d'être vraiment très intéressant. Alors, c'est un rendez-vous, chers amis. Et puis, juste en terminant, je passerai le micro à mon collègue Benoît Laferrière qui pourrait nous prédire Nostradamus dans sa boule de cristal. Qu'est-ce que le WrestleRock Podcast pourrait avoir pour la prochaine année? Okay, comme invité? Oui, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu souhaites pour le WrestleRock Podcast pour la prochaine année? Pensez à Bob Sapp. Oui, ça pourrait être intéressant. Yes, on va essayer de travailler fort là-dessus pour essayer d'avoir ce gars-là. Honnêtement, ça serait vraiment nice. Yes. Sonny, t'as mis Lincich? Yes. On jouait ça dans ma petite boule de cristal? Yes. On remarque que je jouais d'autres sortes de boules, mais ça... Super, alors, ben merci beaucoup. Et puis, on vous embrasse tous et on se voit en janvier 2023. Prenez bien soin de vous. L'action ne manquera pas. Au revoir.